Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo préférée de la semaine, le journal créatif et nous sommes au numéro 62. Bon, ben voilà, hein, il y a Fifi comme d'hab. On va attendre à qu'elle ait fini. Voilà, elle est installée. oui. Donc, le journal créatif, je souhaite déjà la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Encore un grand merci à vous. Le journal créatif, comme d'habitude, je vous montre tout ce que j'ai pu faire sur la semaine. Principalement en broderie et également en tricot, crochet s'il y en a, coloriage s'il y en a, ou tout autre loisir qui pourrait y avoir. J'ai une pupuce. Alors, comme vous savez, je tire au sort avec la roue sur ma tablette les broderies que je vais faire dans la semaine. Il y a une nouveauté depuis cette semaine, en plus de la broderie du lundi. Donc, je vous rappelle que la broderie du lundi, c'est je choisis une broderie et je travaille que sur cette broderie-là toute la journée. Et maintenant, il y a également le HAED du mercredi. Voilà, donc c'est le même principe, mais là, je travaille sur un HAED ou une couverture totale, puisque par exemple Plasting Puck, ça ne vient pas du site HAED, mais c'est une couverture totale comme les HAED. Et je travaille dessus donc toute la journée du mercredi. Ça va permettre d'avancer les broderies, enfin les HAED un peu plus, parce que c'est vrai que ça c'est très long à broder. Et si j'attends que la roue me les choisit, bon, bah c'est quand même un peu plus long. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce que la roue m'a choisi? Alors, elle m'a choisi le Autumn Quaker, le Alice au Pays des Merveilles, le Bouddha de poussière d'étoiles, le Hibou, la grenouille de poussière d'étoiles, le sale du nouvel an et le colibri de poussière d'étoiles. Il y avait beaucoup de poussière d'étoiles cette semaine, tant mieux. Allez, en HAED du mercredi, la roue m'avait choisi la Steampuck justement. Et du coup, j'ai choisi pour la broderie du lundi, j'ai choisi d'avancer ma grenouille. Voilà. Donc, tout à l'heure, on refera bien sûr un tirage au sort pour la semaine prochaine pour savoir ce que je vais broder. Alors, il n'y a qu'une broderie que je n'ai pas faite. C'était le sale du Nouvel An. Je m'y suis mis dessus tout à l'heure, mais je me suis aperçue qu'il y avait des erreurs. Donc, je corrigerai les erreurs dans la semaine et puis je me remettrai dessus si la roue me tire au sort. Mais j'ai trouvé que j'en avais pas assez. Donc, j'ai travaillé sur 4 broderies supplémentaires. Voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, cette semaine avait quand même été une semaine assez productive. Ouais, j'ai bien bossé cette semaine en broderie. Je vous dirai tout à l'heure le nombre de points que j'ai fait puisque je me fais un challenge perso et ce challenge est de faire minimum 3000 croix par semaine. Donc tout à l'heure je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Voilà, allez, on va commencer par là. Alors j'ai mis toutes mes broderies là. Là, ça c'est ce que j'ai fait cette semaine, plus 2 grandes. Oui, je suis folle.
Alors, je voudrais essayer de commencer dans l'ordre, mais bien sûr, elle est tout en bas. Bon, on va commencer dans l'autre ordre. Alors, aujourd'hui, j'ai fait. Hop. Mon Autumn Quaker, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Donc, c'est de Karen Kluba. Voilà. Et on le brode avec les fils Valdani. Donc, je vous remontre ces fils ici. Alors, ce sont des fils vraiment superbes. Bon, qui coûtent un peu cher. Mais ils sont d'excellente qualité. Et c'est vrai qu'ils sont un peu chers, mais. Quand on, c'est pas du 8 mètres là. Là, si je ne me trompe pas, c'est 24 mètres. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve puisque là, ça fait 8 et 8, 16. Bah, ça équivaut à 3 échevettes pour une bobine. Voilà. Mais les couleurs sont vraiment très très belles. Voilà. Ouais. Alors, j'aurais dû poser ça sur une chaise, mais bon, tant pis. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Alors, ah oui. Alors, je suis désolée, je vais peut-être encore oublier des noms de toiles. Je n'ai pas eu le temps encore de marquer les toiles que j'utilise. Il va falloir que je le fasse. Ici, c'est une étamine Murano. Voilà, 12,6 fils. Et la couleur Mocha, je crois. Je crois que c'est Mocha, oui. Voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, j'ai brodé ces trois petits trucs-là. Ça, ici, j'ai commencé, il y a comme une feuille. Donc j'ai commencé la nervure de la feuille. Et j'ai rempli des. Là, ici, il fallait remplir. Donc, je l'ai fait. J'aime vraiment beaucoup. Là, comme ça, bon, c'est vrai que ça ne rend pas vraiment comme sur le dessin, puisque bah, après, quand il y aura tous les autres motifs, ça va être très, très beau. Bon, mon téléphone commence encore à déconner avec la lumière. Donc, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-ci, j'ai fait quoi? Alors, comme je travaille dessus sur papier, j'ai fait plus ou moins 400 croix. Voilà. Avec la tête à Fifi, bien sûr. Ça te plaît? Oui. Tu aimes? Voilà. Donc, j'étais contente d'avancer dessus. Je vais remettre tout de suite. Et on va mettre par terre au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, Fifi. Qu'est-ce qu'il cherche? Tu veux regarder la vidéo? Allez, maman un peu? Alors, ensuite, j'ai commencé une nouvelle broderie, mais qui était prévue, je vous rassure. Elle était prévue. Donc, celle-là, je l'ai faite quand hier. Fifi, il faut vraiment que tu bouges de mon cahier. Oh, allô, il y a quelqu'un? Ouh! Allez, non, 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 non. Va manger tes croquettes. Hop, voilà.
C'est le cœur aquarelle. Voilà. Donc voilà ce que j'ai commencé. Bon, c'est une broderie qui, je pense, ne sera pas très, enfin, très longue, c'est à voir, mais je veux dire, qui n'est pas, qui est assez facile à faire et qui, si on n'a que celle-là, elle va aller très vite à faire. Malheureusement, moi, je n'ai pas que celle-là. Alors, j'arriverai peut-être pas à vous montrer de près comme ça. Je regarderai, je pense que j'ai pris des images de près. Je vous les mettrai. Une bonne partie de cette broderie est en... Bon, je vais y arriver. C'est parce que j'ouvre ma tablette en même temps. En demi-point. Donc, il y a du demi-point et il y a également du point arrière, bien sûr, et deux points de croix. Mais la plus grosse partie de la broderie se fait en demi-point. Je vous explique. Alors, en demi-point, il y a 12 202 demi-points à faire, alors qu'en point de croix, il y en a 1980. Voilà. Et après, il y a tout le point arrière, bien sûr, parce que là, c'est une broderie où il va y avoir beaucoup de points arrière. Moi, j'ai travaillé donc dessus. Alors, en demi-croix, j'en ai fait 381. En point de croix, donc le point de croix, c'est là où il y a le noir, là, et le rouge. J'en ai fait 43. Ce qui fait que quand on compte, parce que quand on compte les demi-croix, ben, c'est une demi-croix, donc c'est un demi-point. Donc, en tout, j'ai fait 233,5, donc, puisqu'il y a une demi-croix, de points. Mais à la base, c'est un peu compliqué, hein, mais à la base, j'en avais fait 381 plus 43. Je suis à 2,07%. Voilà. Donc, celle-ci, je l'avais fait. Alors, je sais que c'est Sandrine. Je vais regarder le nom de sa chaîne. J'ai un petit trou. où j'ai mis sa chaîne. Alors, l'aiguille de Sandrine. Voilà, pardon. C'est en voyant une vidéo de l'aiguille de Sandrine, donc de Sandrine, j'ai eu un coup de cœur sur cette broderie. Et ben voilà, ça y est, c'est en route. mais j'aime beaucoup. C'était vraiment, bon, c'est rare quand on fait beaucoup, beaucoup de demi-croix comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Alors, par contre, il y a de la demi-croix en deux fils et il y a de la demi-croix en un fil. Voilà. Et le point de croix, lui, se fait en deux fils. Donc, faut bien faire attention quand on regarde son patron. Parce que, ben, je vous dis, il y a de la demi-croix deux, il y a de la demi-croix une et après, il y a de la croix. Donc, voilà. Mais je suis contente de l'avoir commencé. Je vais barrer ce que je vous ai déjà montré, comme ça, je suis sûre de ne pas le faire deux fois. Voilà. Ensuite, alors ici, c'était une broderie que une abonnée m'avait offert. Donc, c'est un modèle de Nova Sloboda. C'est un hibou. Voilà, je n'ai pas le nom de vraiment de la broderie, c'est écrit en russe, donc voilà, c'est celui-ci, il est trop joli, trop trop joli. Alors, je suis sur celui-ci, c'est sur une toile Aïda, la toile était fournie avec, mais c'est une toile qui est imprimée. Voilà, donc elle est imprimée que d'un côté, vous voyez.
mais vraiment très joli. Donc voilà où j'en suis. Ça, pareil, on dirait que j'ai pas beaucoup avancé, mais si, si, je vous rassure, j'ai quand même pas mal avancé dessus. Là, le hibou. Le hibou, je l'ai mis. Ah, il est là. J'ai fait plus ou moins 450 croix. Voilà. Donc celui-ci, il est en. Je le fais avec le format papier. Voilà, donc je n'arrive pas à compter mes croix à la croix près quand même. Voilà. Donc j'ai surtout travaillé ici, le bas, cette semaine. Alors j'avais vu une ou deux erreurs de la fois d'avant, donc tout en brodant, je les ai corrigées. Donc voilà. Avec un joli bout de poussière d'étoile. Je vois que j'ai. Ah si, j'ai piqué mon aiguille. Alors, celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Et le fil aussi, je l'aime beaucoup. Alors, il est d'une douceur. Ce n'est pas du DMC. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme fil. Mais il est très fin. Bon, je n'arriverai pas à vous montrer, comme vous voyez. Il est vraiment très fin comme fil, très doux. Mais donc je brode avec deux fils. Mais c'est vraiment celui-là. De ce fil-là, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas ce que c'est comme. Bon, ça doit être une marque par rapport à la broderie. Je ne sais pas s'ils disent quelque chose sur les fils. Alors, l'Aïda, c'est Naïda 16, hein, ça c'était. Le fil, est-ce qu'ils disent quelque chose? Je crois pas. On dirait un peu comme un fil à coudre, vous savez? Alors, est-ce que là. Mais bon, je sais pas si c'est écrit en. Alors en français, voilà. Non, ils disent pas. Non, ils disent pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Moi, sur les trifiles, j'avais eu plusieurs trifiles comme ça. Non, c'est écrit en russe. Non. Non, j'ai pas la marque. Bon, ça doit être un fil russe, très certainement. Voilà. Mais j'aime toujours autant. Voilà. Alors, le hibou, c'est fait. Le Alice au pays des merveilles. Alors, bon, j'ai toujours pas réussi à faire mon challenge. C'est-à-dire, mon challenge était. Oh là. Les fils. Je voulais terminer l'étape du mois de septembre, mais je suis toujours dessus. Par contre, j'ai enfin fini à la chaussette avec la chaussure. Ouf! Ah, okay. Je sais pas, j'ai trouvé immense ce truc à broder et assez comme pas compliqué, mais je veux dire assez barbant. Mais là, bon, ça y est. Hop, la chaussure, c'est fait. On est tranquille. Alors, ici, je ne sais pas si. Non, on ne voit pas bien.
Mais il y avait un truc à une écriture à broder. J'arrive même pas à le relire. Eat me, ouais, mange-moi, je crois. Voilà. Mais j'ai fait dans la couleur qu'il disait, mais j'aurais peut-être dû faire en blanc. Mais bon. Voilà. Donc là, on va avancer un peu plus vite la prochaine fois. Parce que là, ben, c'est bon, là. Hein. 2 semaines sur une chaussette et une chaussure. Alors ça, c'est un sale que j'organise sur mon groupe, pardon. On fait une page par mois. Et voilà, on avance. Donc là, le Alice, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Un duo. Un duo. Alors, c'est un duo que je fais avec Letty de la chaîne Les loisirs de Letty, oui. C'est le Star Dragon de All Forest. Voilà. Alors, on fait 250 points par semaine. Donc là, moi, je suis arrivée à 500, bien sûr, comme pour Letty. Je vous mets l'avancée de Letty. On n'a pas commencé au même endroit. Elle a commencé en haut à gauche, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai commencé au milieu. Voilà. Vraiment très, très sympa à broder. Alors, je le brode sur une toile de lin. Je vous ai donné le nom l'autre jour. Oh, faites-moi penser que j'inscris toutes mes toiles pour que je puisse vous les dire. Mais je vous le marquerai ici en bas. Ce sera mieux. Alors, donc, ça, c'est une toile de lin. Voilà. 16 fils. Mais elle est bien. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien de près, mais voilà. Donc le Star Dragon. Et le Star Dragon, du coup, j'ai fait mes. Alors j'avais pris un petit peu d'avance la semaine d'avant. J'avais fait 269 croix. Du coup, j'en ai fait 231 cette semaine. Ce qui fait que je suis à 500 croix. Et ça nous fait 1,51%. Voilà. Alors, le Star Dragon, c'est bon. Mon petit Fox. Alors, celui-là, je l'ai rajouté. Bah comme le cœur aquarelle, hein, je l'ai rajouté. Et donc, j'ai avancé mon Fox. J'ai travaillé sur sa cuisse. Voilà, j'ai bien avancé. Là, tout le blanc est fait. Et là, j'ai avancé donc le marron clair. Voilà. Et ici aussi, un petit peu. Voilà, j'ai avancé un petit peu là. Il va être joli. Ouais, il va être top, ce petit renard. Il est trop beau. Alors, petit renard, j'ai brodé plus ou moins 450 croix dessus quand même. J'ai un petit peu accéléré le pas parce que bah, j'ai envie qu'il avance assez vite. Puis c'est pas une grosse broderie, hein, donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Donc c'est un cottage garden.
Alors, j'ai vu que Cottage Garden avait sorti des nouvelles. Je vais regarder si je peux vous les montrer. Cottage Garden. Ils ont sorti des nouvelles grilles. Arrêtez tous de nous sortir des nouvelles grilles. Non, il faut que je marque broderie parce que sinon ils mettent des jardins. Voilà. oui, les voilà. Alors. Tout, tout, tout. Donc là, je les avais vus sur de mère en fille. Hop. Donc. Allez. Voilà. Voilà le premier. Bon. C'est moins mon style, hein. C'est moins mon style, mais voilà, donc ce qui vient de sortir, un peu une maison de sorcière, je pense. ouais, il y a le chaudron, il y a le petit fantôme, la citrouille, la chouette. Ouais, c'est une maison de... Comment? Maison de fantôme, de... d'Halloween un peu. Ensuite, alors celui-là, je le trouve un petit peu plus joli. Comment il s'appelle celui-là? Alors c'est la Sari. La Sari. La série des Fabulous House. Voilà. Donc celle-là, c'est la 10e. Alors il y en a 12 et ça, c'est la numéro 10. Voilà, avec les champignons, une maison champignons. Elle est un petit peu bon, c'est toujours pas mon style, mais à choisir, je préfère encore celle-là. Choisir entre la première et celle-ci. Et il y a également celle-ci. Ah ben, elles y sont toutes, je crois. Alors, je... Ça, c'est toujours une Fabulous House, mais c'est la numéro 9. La Floating House, donc la maison sur l'eau. Voilà. Elle est très sympa également. Il y a une écrevisse, il y a... C'est quoi cette bestiole-là qui va dans l'eau? Une loutre. Il y a une loutre, il y a des poissons. Voilà. Et il y a un chien devant la maison, un genre de... On dirait un petit berger allemand. Et dans ceux qui étaient déjà là, donc la 8... Voilà, c'est un phare, comme ceci. Et après, bon, je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais peut-être que vous les connaissez, hein. Alors celle-ci, c'est la House Barn, donc bah, c'est une ferme, hein. Voilà, un genre de grange. Alors il y a les vaches en l'air, là. Les petites vaches. Elles sont en l'air. Donc ça, c'est la 7e. Ici. Tree House, donc la maison de dans l'arbre. Voilà. Et pipiou. Ah, ils sont. Alors là, c'est la 5e. Et celle-là, c'est la Hobbit. Ah oui, la maison Hobbit. Alors, je sais que celle-là, il y en a pas mal qui l'aiment bien. Mais les maisons comme ça, un peu. Bon, je trouve ça joli, mais.
C'est pas le genre de truc que je mettrais sur mes murs. Ici, c'est la numéro 4. Ben, c'est un cottage. Voilà. La troisième, elle est ici. Greenhouse. Bon, là, moi, j'appelle pas ça une maison. On dirait plus une petite serre, je trouve. Voilà. Bon, celle-là, bof. Moi, je trouve bof. Et souvent, broder du blanc, bah, comme là, sur du gris, ça ressort pas. Je trouve que ça ressort pas assez bien. Là, après, la 2, bah, j'en aurais plus qu'une à vous montrer après. Le château. Il est joli. Voilà. Castle. Donc le château. Ça, c'est le numéro 2. Et la dernière. Elle est ici. Bien sûr. La maison du Père Noël. Voilà. Elle est mignonne. Mais bon, moi, les trucs de Noël, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère non plus. J'aime bien Noël, hein, mais voilà, si c'est pour avoir une broderie et puis qu'on la sort qu'une fois par an, non. Donc voilà, bon, après, les Cottage Garden, il y en a plein, 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 plein. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Mère en Fille, si vous voulez, ou sur la boutique, sur la page de Cottage Garden. Vous verrez toutes les broderies qu'il y a chez eux. Donc, c'est toutes des séries. Souvent, c'est des séries de 12. Si je ne me trompe pas, c'est des séries de 12. Mais ça va, j'aime bien le style quand même. Alors, le fox, c'est fait. Ma Lily Point. C'est un duo également. Oh. Ah. Voilà. La voici. Alors, j'ai brodé. Je crois que j'étais arrivée là, le cou et derrière les oreilles. Voilà. Je l'aime de plus en plus. Vraiment, elle est tip top. Bon, il faudrait que je me mette sur mon chat là. C'est la plus grosse partie, ça. Mais voilà. Vraiment tip top. Alors, moi, je vous avais dit la fois dernière, je pense que en un mois, on pourrait avoir fini. Mais Céline m'a dit que pour elle, ça va peut-être être difficile en un mois de terminer la sienne. Donc, elle compte plus sur 2 mois. Ben, elle travaille aussi, hein, donc ça se comprend. Donc, voilà, moi, je reste à son rythme et puis on verra bien. Donc, voilà. Et je vous mets la broderie de Céline. Voilà. Et je vous mets également le modèle. Puisqu'on fait toutes les deux un Lily Point. Voilà le mien. On fait toutes les deux un Lily Point. Mais ce n'est pas la même broderie. Mais c'est sur le thème du chat. Voilà. Alors, mon Lily Point, j'ai fait plus ou moins 250 croix et j'ai fait mes 4 cases comme on fait d'habitude. Enfin, c'est 4 cases en moyenne, hein. Des fois je dépasse un petit peu parce que ben, si le mot est commencé, je le termine bien sûr. Voilà. Hop. Je pense que je vous avais montré hein, la dernière fois. Le Lily Point. Lily Point. Voilà.
je sais plus si je vous ai montré ou pas la nouveauté qu'il y avait eu. Tiens, je vais vous le remontrer, c'est pas grave. Si ça veut bien s'ouvrir, oui, voilà. Non, je crois que je ne vous l'avais pas montré, mais je vous en avais parlé. Voilà. Allez. Hop. Donc, c'est la dernière de chez Lily Point. Voilà. Sur le thème de Noël. Donc, ça, c'est une que moi, je ne prendrai pas, bien sûr. Mais je la trouve jolie quand même. Hein. Elle est très mignonne. Voilà. Donc, celle-là, c'est la toute dernière. Mais bon, moi celle-là, je ne la prendrai pas, c'est sûr. Oui, j'ai pas coché. Voilà, je savais que j'ai oublié un truc. Ah, ici. Mon Bouddha. Alors, mon petit Bouddha. Il m'a fait un petit peu galérer, mon Bouddha. Ce qui fait que je n'ai pas fait beaucoup de croix dessus. Voilà, du coup, il y a un fil qui se promène, c'est pas grave. Alors, je démonte pas, je chipote. Ça ne se verra pas. Mais j'ai des petites erreurs, là, dans le... ici, quelque part. Et... ça m'a un peu pris le chou, c'est quand je l'ai fait mardi, et du coup je n'ai fait que 100 croix dessus cette fois-ci. Ouais, j'ai dit je stoppe là, je le repose et je reviendrai dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'avais vu qu'il y avait des erreurs, donc il y en a 2-3 que j'ai retiré, que j'ai rebrodé, et après j'ai dit bon, stop. Je la reprendrai dans la semaine ou voilà, et je me remettrai dessus, mais en ne faisant pas attention aux erreurs, puisque là, de toute façon, c'est un peu, bon, il y a des traits de bleu comme ça, mais c'est un peu mélangé, les blancs, les gris, les voilà. Donc, ça se verra pas si, si vraiment j'oublie d'enlever, de changer une erreur ou pas. Mais sinon, il est très joli. Alors ça, je vous rappelle que c'est un modèle de chez Poussière d'Étoiles. Et c'est un modèle gratuit. Donc, pour vous l'obtenir, il faut aller sur la boutique de Poussière d'Étoiles. Dans les fiches broderie gratuites. Vous le faites comme si vous faites une commande. Et bien sûr, vous n'aurez rien à payer. Et ensuite, vous pourrez le télécharger directement. Voilà. Mais sinon, il est très joli. Je l'aime beaucoup. Bon, j'aurais bien qu'il se termine aussi. Hein. Bon, il va se terminer. Mais bon, il y a quand même encore pas mal de croix. Le Bouddha, j'ai encore... je regarde sur mon pattern keeper. Mon Bouddha, 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 où tu es là? Tu es là. Non, c'est pas toi. Que... Si, c'est ça que je veux. Je suis à 5279 croix. Mais en tout, il y en a 12859. Mais bon, je suis quand même à 41,05%. Donc voilà. Et bon, là, je vais pas vous montrer parce que c'est la grille. J'ai pas le dessin. Je crois pas avoir le dessin. Je pense pas. Je vais regarder si j'ai le dessin. Broderie Sabine. Alors, où je t'ai mis, petit Bouddha? Voir que je l'ai pas là. Chouette, cœur, Bouddha. Ah, j'ai pas mis le dessin. Ah zut. Alors attendez. Ça va, vous n'êtes pas pressé?
Je cherche, je cherche, je cherche. Voilà, alors. Hop, modèle gratuit. Ah, le voici. Hop, le voici. Vous voyez? Donc, quand j'ai encore pas mal de boulot dessus, hein, vous voyez. Mais, vous voyez, même si c'est surtout là dans le blanc. Donc, même si je me trompe ou quoi, parce qu'il y a du blanc et puis il y a du blanc cassé. Donc, ça se verra pas si. Voilà. Donc, celui-là, vous pouvez le télécharger directement sur la boutique. Et d'ailleurs, vous en avez d'autres, hein, gratuits, sur la boutique. Voilà. C'est bon. Donc, mon bord, il va avancer. Je m'en fais pas. Donc, bah, il a eu 100 croix. C'est toujours 100 croix. Hein. Pas comme s'il n'y avait eu rien de fait. Ensuite, alors, c'était mardi, c'était la journée poussière d'étoiles. J'ai avancé mon colibri. Oh, il va falloir que je resserre ma toile. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai avancé mon colibri. Alors, j'ai travaillé ici. Voilà, ici. Bon, là, c'est du fil assez clair. Donc, on voit pas bien, bien, mais. Mais j'ai très bien avancé dessus. On dirait pas, mais si, si, j'ai bien avancé. J'ai fait 441 croix. En tout, j'ai déjà brodé 3419 croix et je suis à 23,96%. Donc, voilà. Il est bien, bien avancé. Enfin, il y a encore du taf, hein. Il y a tout le haut encore. fini là aussi, voilà, mais ça va le faire, ça va le faire. Hop. Vous avez vu, hein, ma vidéo sur les nouveautés de Sabine, de sa boutique Poussière d'étoiles. Il y a une broderie, mais alors si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, ou que vous n'avez pas encore été voir les nouveautés de Sabine, je vous montre. Ah, je l'adore. Je l'adore. Je vous la mets bien en grand. Donnez-moi cette beauté. Il est magnifique. J'adore. Alors, c'est Mr. Cat Automne. On a déjà eu Mister Cat en hiver. Et là, c'est Mister Cat automne. Il est trop, 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 trop beau. À chaque fois, je le dis comme ça, mais. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Donc, vous pouvez l'avoir en. Aidez-moi. Fiche papier et ou fiche PDF. Voilà. Alors, il y a déjà quand même des ruptures de stock. Il y a bah, l'aimant, justement, pour cette grille, est déjà en rupture de stock. Mais Sabine va en recommander. Donc, si vous n'avez pas eu votre aimant de Mister Cat automne, n'ayez crainte, Sabine en recommande. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. On est à combien? Oh. Je sais pas si je fais les 2 heures aujourd'hui. À moins qu'on papote beaucoup. Mais. Ici.
Alors, ma grenouille, poussière d'étoile. Oui, c'était semaine poussière d'étoile, hein, mais c'est pas moi qui a choisi, c'est la roue. Alors, hop, hop, hop. Bon, elle a bien avancé. J'ai vraiment bien bossé dessus. Je suis contente. La voici. Alors, elle a super bien avancé. Et il n'y a plus grand, enfin, plus grand chose. Façon de parler. Mais, non, il y a... Il n'y a vraiment plus beaucoup à faire dessus. Là, j'ai fait 738 croix. Donc, lundi, c'était la broderie du lundi. Ça a été celle-ci. En tout, j'ai fait 7397 croix. Je suis arrivée à 78,78%. Il me reste à faire, alors je ne compte pas les points arrière, il y a quelques points arrière à faire. Sans compter les points arrière, il me reste 1993 croix à faire. Donc, c'est super. Je sens qu'elle va bientôt se terminer. Mais elle est trop trop belle, ma grenouille. Ouh, Kermit la grenouille. Non, elle est chouette, j'aime beaucoup. Et bon, j'ai vraiment hâte maintenant qu'elle se termine. Hein. Voilà. Donc, j'ai travaillé où surtout? Ben, travaillé dans la fleur, j'ai travaillé là, dans les trucs, les feuilles ici, là aussi, bon, un petit peu partout. J'ai rebouché quelques trous hein, parce que sinon elle va fuir. voilà, non, mais j'aime vraiment beaucoup. Elle est chouette, ma grenouille. Alors, je me demande justement si je ne vais pas me la remettre cette semaine en broderie du lundi. Parce que ben, je voudrais bien qu'elle avance encore à bon bout. Si j'arrivais, donc là, il me reste, alors, je vous dis, 1993. Attendez que j'efface ça, hop. 1993, divisé par 2. Ouais, ça ferait 996 croix. Je sais pas, si, oh. Si je force un peu, en deux fois, je peux avoir fini ma grenouille. En deux fois, je peux la terminer. Dans ce cas-là, il faudrait que je travaille dessus le dimanche et le lundi. Et comme ça, ben, ça fera encore une broderie terminée bientôt. Ce serait bien. Donc, je vais voir. Alors, ça fait un moment que je voulais pas montrer, j'ai pas travaillé dessus, mais j'ai fait du démontage. Je fais en duo. Alors, pour l'instant, c'est mis en stand-by, hein, mais je fais en duo avec Amélie de la chaîne. C'est pas possible, je dois avoir Alzheimer. Oh là là, c'est de pire en pire la mémoire. Excuse-moi Amélie, de Dazing et Diamant, voilà. Je fais une broderie de poussière d'étoile, excusez-moi, j'étais sur autre chose. Demeure de charme. Bon, vous allez voir, c'est affreux hein, ce que je suis en train de démonter. Et je m'étais plantée, alors j'avais fait un décalage d'un rang, je crois, je ne sais plus. Mais comme c'est une maison et que c'est, il faut que tout soit bien parallèle, vertical, horizontal. Et j'avais eu un décalage.
J'avais bien avancé. Alors, bon, faites pas attention, je suis en train de démonter, donc il y a des... Hein. Alors, moi, j'avais fait tout ça ici. Ben, on voit un peu encore les traits. Après, on les verra plus, parce que je vais donner un petit coup de brosse à dents pour redresser les trames. Et après, je donnerai un petit coup de fer à repasser. Donc, j'avais fait la fenêtre ici et j'avais fait la fenêtre ici entière. Donc là, ça y est, bon, ça fait un moment hein, que je suis en train de démonter, mais de temps en temps, j'enlève un point, deux points, et voilà. Mais là, bon, du coup, ça fait... Bon, le fil est mort, hein, quand on démonte comme ça, c'est très rare qu'on arrive à récupérer le fil, mais c'est pas très grave. J'espère, bon, pas ce soir, mais demain, je vais terminer le démontage. Et la semaine prochaine, je pense que je vais reprendre la broderie. Parce que du coup, Amélie, elle m'attend pour continuer la sienne. Mais voilà, donc c'est ça le dessin. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit carré, hein, là, puisque c'est une maison. Voilà. On va y arriver. T'inquiète, enfin, j'ai la fiche là, justement. Vous voyez, voilà, là, vous le voyez mieux. C'est pas grave. Façon, vous savez ce qu'on dit par chez moi? Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Voilà. Les puces. Ouh, ça gratte, ça gratte. Il est en train de se gratter d'une force sur le tapis. voilà pour. Alors, il me reste deux broderies à vous montrer. Pause pipi? Eh oui, pause pipi. Allez, on se fait une petite pause pipi. En même temps, je vais aller me chercher un verre à boire. Mais pour vous, il n'y a pas d'attente. Je suis là tout de suite. Vous voyez, ça n'a pas été longtemps. Hein. J'en ai profité du coup pour ranger toutes mes pochettes broderies que je viens de vous montrer. Comme ça, c'est nickel. Alors, ma broderie, mon achat ED du mercredi. Donc, c'était la steampunk que je devais faire, donc, et que j'ai fait. Voilà où j'en suis. J'ai très, enfin, j'ai bien avancé. Je l'ai mise où? Là. J'ai fait 671 croix. J'en suis à 5206 croix, soit 4,33%. C'est vrai que ces broderies-là, ce sont des broderies qui sont très longues à faire. Mais voilà. Donc là, la rose, elle est pour ainsi dire terminée. Hein, il reste que des petits points par-ci, par-là à faire. La feuille, elle est terminée, à part un petit point là, je crois. Ouais, il manque un point. voilà, là c'est le rouage. Donc j'ai continué aussi un petit peu le rouage. Voilà. Et j'ai fait aussi un petit peu le fond. Vous voyez comme le fond qui est ici. J'en ai avancé un petit peu pour... Ben, ça allait là. Vous voyez, hop, là ça a fait droit. Donc hop. Donc j'ai fait tout ça ici et ce qui descend. Pour dire de faire du fond aussi pour pas que j'ai le fond d'un seul coup à faire. Donc, de temps en temps, je reviens là, je refais, je repars dans mes images. Voilà. Mais j'aime bien la rose, elle est pas mal. Alors, il y avait une ou deux erreurs dans la rose, mais bon, j'ai laissé, ça se voyait pas. Mais voilà. Bon, alors mon dos, faut... Oh, le dos, c'est même pas la peine. Hein. Là, celles qui font attention à leur dos de broderie, elles ont une syncope en le voyant. Hein. Vous voulez le voir? Moi, je m'en fiche, j'ai pas peur. Voilà, mon dos. Je tire, je tire, je tire, je tire. C'est pas grave, c'est la couverture totale, donc on verra rien. Mais je tire, je tire, je tire. Voilà. Et là, bon, c'est pas fait avec du fil d'IMC, hein, c'est fait avec les fils chinois, donc voilà.
serait du DMC. Je fais un petit peu plus attention avec le DMC parce que bah, ça coûte plus cher automatiquement. Mais quand c'est le fil chinois, bon, je fais pas, je fais pas trop gaffe. Voilà. Donc ça, c'était mon achat ED du mercredi. Je crois qu'elle va être belle celle-là. Enfin, elles vont tous être belles. Hein. Voilà. Alors, j'en ai encore une à vous montrer, mais avant, je vous explique juste une petite chose. Vous savez que je fais en duo le sampler 124 avec Sonia. Sonia a eu un petit souci sur sa broderie. Elle a dû démonter bah, des petites erreurs qu'elle a fait. Du coup, ça lui a fait perdre un peu de temps. Et puis, donc, je dis. Cette semaine, je me fais une semaine blanche, moi, pour cette broderie-là, c'est-à-dire que je ne la brode pas. Et comme ça a donné du temps à Sonia, c'est de la chaîne Diamant Rose, ça lui a donné du temps pour se remettre à jour sur la sienne. Voilà, rien de grave. Quand bah, quand il y en a une de nous qui est en galère, bah, l'autre attend. Hein. L'autre jour, c'était moi, je crois, je ne sais plus. Je sais plus qu'est-ce que si c'était moi qui étais en retard ou bon, c'est pas très grave, mais on s'arrange comme ça. Donc, si tout va bien pour Sonia, la semaine prochaine, vous verrez nos deux broderies sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc, celle-là était prévue, mais c'est pas grave. On n'est pas à la course, hein. Et la dernière broderie. Mes pans royaux de chez All Forest. Donc celui-là, c'est un modèle payant, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le redire. Donc c'est dans les 10 euros, je crois, le PDF. C'est un monochrome, comme vous voyez. Moi, j'ai choisi de le faire en DMC coton mouliné 550 et en fil étoile C550 également. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma fleur qui est ici. Donc, les deux feuilles, la tige et là, j'ai commencé une feuille. Voilà, ici. Donc, là, celle-là, elle est faite. Ça m'embête, hein, vraiment, changement de couleur, ça doit être désagréable pour vous aussi. C'est fait en coton mouliné, là. Et j'avais décidé de faire tout ce qui était frise. Donc, je vous avais montré l'autre jour, hein, sur l'image. Il y a une frise tout en haut, il y en a une plus bas, il y en a une en dessous. Il y a quatre grandes frises, je crois. Et ensuite, je vais mettre des petites pointes par-ci, par-là de fil étoile. Comme là, ici, l'arabesque qui est là et ici, elle est faite en fil étoile. Donc ça, c'est en fil étoile. Là aussi, bien sûr. Ça et ça, pour l'instant. Et tout le reste est fait en coton mouliné, donc 550. Toujours sur une étamine. Hein, étamine 12,6 fil. Un grand cheveu. Je perds mes cheveux, alors il y en a toujours partout. 12,6 fil. Voilà, donc rose vintage. Là, par contre, je ne vous ai pas dit, la steampunk, elle est faite sur une Aïda 8, elle, exceptionnellement. donc voilà pour les broderies. J'ai fait des frites ce soir, ça sent la friture dans la maison. J'ai acheté, alors il n'y avait plus les frites que j'achète d'habitude au magasin. Bon, on n'est qu'à deux, hein. Souvent j'achète des congelés. De temps en temps, je fais des fraîches, mais c'est très rare. Il n'y avait plus celles que j'achète d'habitude. Donc, moi je prends les, on va pas faire de pub, mais MC Ken Tradition. Et il n'y en avait plus. Et il y avait des nouvelles de chez cette marque-là. J'en prendrai plus. Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Mais par contre, j'en prendrai plus. Alors, c'est des frites. Elles sont coupées, mais incurvées. Alors, comment je peux vous expliquer ça? Est-ce que j'ai un petit bout de papier là? Parce que
Je vais pas sortir mes frites, hein, elles sont dans le congélateur. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Oui, là. Non, non, c'est pas, c'est tout écrit. Ah, ah ben là, attendez, chier. Voilà. Alors, une frite normale, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et là, alors, je vais vous montrer, hein. Vous inquiétez pas. Bon, j'essaye de faire à peu près, mais... Voilà, hop. Je vous montre. Ça, c'est la frite normale, d'accord? Et là, ils ont fait des frites incurvées. Alors, moi, j'appelle ça des frites gouttières. On dirait des gouttières, comme ça. Donc, c'est tout, c'est fin, c'est plus fin. Alors, faire attention à la cuisson, parce que du coup, ça cuit plus vite. Mais bon. Bon, on dirait rien tel qu'avec les patates fraîches. Mais quand il n'y a que moi qui en mange, par exemple, ou alors, ben, de toute façon, on est toujours qu'à deux, mais... De temps en temps, je vous dis, je fais des fraîches quand même. Mais non, ces frites-là, je comprends pas le truc là, des frites incurvées. Mais bon. Ah, si vous mettez de la sauce sur vos frites, la sauce, elle va comme dans une gouttière. Bon, allez, on n'est pas là pour parler bouffe. Oui. Alors, hier soir, alors je vais mettre sur mon Facebook, je trouverai plus vite les images. Excusez-moi, j'ai une petite soif. Voilà. Allez. Oh. Hier soir, j'ai fait une petite découverte. J'aime bien voilà l'image. J'aime bien farfouiller sur des sites, des fois ben, de mère en fille, Univers Broderie, All Forest. Et j'ai eu le malheur d'aller sur All Forest. Voilà. Et ben j'ai craqué pour leur toute nouvelle grille. Donc c'est une qu'ils ont sorti cette semaine. Et ben j'ai craqué, donc j'ai pris le PDF bien sûr. C'est, alors vous la connaissez peut-être déjà, hein. Voilà, j'ai pris ça. Alors c'est les roses noires, en anglais je sais plus le titre. En anglais, est-ce qu'il me dit, bah, Black Rose, oui, tout simplement. Donc là, c'est les roses noires. Voilà. J'ai adoré. J'ai complètement flashé dessus. Voilà. En plus, c'est un monochrome, donc tip top. Mais j'ai vraiment flashé dessus. Alors j'ai réfléchi hein, pendant un petit moment. Je dis oh, bon, ben, belle, mais bon, on va attendre. Et puis je le mets sur, sur mon groupe. Et bien sûr, les filles, ah, non, 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 nous montre pas ça, nous montre pas ça. Et ben, au bout d'un moment, je dis oh, et puis allez, hop, je l'ai pris. Alors, c'est une broderie qui fait 209 points sur 436. Donc là, comme ça, je ne vais pas vous dire le nombre de centimètres tout de suite. Mais puis, de toute façon, ça dépend de la toile que si vous voudriez le faire.
Mais voilà, donc c'est 200, attendez, je vais regarder après. 209 sur 436. Voilà. Et donc j'avais le choix. Alors moi j'achète, j'ai pas encore sauté le pas d'acheter les fils de All Forest. Ce qui m'embête le plus, c'est les frais de port. Si c'est pour payer autant ou plus de frais de port que la commande, je vous jure, ça me freine vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai pas encore sauté le pas. Et puis voilà. Du coup, pareil. J'ai fouiné tout ça. Je dis bon, là il est fait en noir. Hein. J'ai cherché, cherché, cherché. Il y a des choses que j'avais envie, mais ben, il n'y en avait plus en stock. Et après, je dis bon, je vais le faire en 310. Ça va être barbant. Et du coup, je suis allée sur le site. Atali, directement le site Atali, hein. J'ai pas été dans les boutiques qui revendent de l'Atali, j'étais directement sur le site Atali et justement là il y a comment les frais de port sont gratuits, enfin c'est cette semaine ou quelques jours, je ne sais pas. Donc j'en ai profité, comme ça au moins ben, pas de frais de port à payer, et j'ai pris donc le fil Atali couleur onyx. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien le voir, sinon je vous remettrai l'image. Voilà, j'ai pris le fil onyx. Donc, c'est des reflets de noir, de gris. Voilà. Je le trouve vraiment pas mal. Donc là, j'ai pris... alors, normalement, ils préconisent 16 échevettes. Moi, j'en ai pris 17. Je préfère en avoir une de plus. À la base, j'avais compté 20. Mais après, je dis, bon, vu le prix, je dis, on va quand même prendre ce qu'ils préconisent chez All Forest. Et mais j'en ai pris un en plus au cas où. Voilà. Ben, je les attends. Voilà. Et ouais, du coup, j'en ai pris ouais, 17. Ouais, 17. Ben, c'est pas une petite toile non plus. Hein, donc, est-ce que là, je sais. Peut-être que là, on verra mieux la photo. Non. Allez. Ouais, il est là, mais non, on verra pas mieux, je pense. Ça y est, je vous remettrai la photo. Voilà. Et donc, du coup, ça sera moins brut sur la photo. Ça va donner des reflets sur la photo, la broderie. Ça fera des reflets quand même. Je pense que ce sera joli. Alors, j'ai pas encore choisi ma toile. Je vais d'abord regarder ce que j'ai en stock. En attendant, je vais sur le calculateur de broderie pour vous dire. Je vais regarder ce que j'ai en stock d'abord. Et s'il n'y a rien qui va pour cette broderie-là, bon, ça m'étonnerait, hein, je dois avoir ce qu'il faut quand même. Ben, je recommanderai une toile, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors, on a dit 209 sur 436. Alors, on va d'abord faire en Aïda. En étamine 12,6 fils, 5 cm de marge. Calculé. Alors, je vais me le marquer pour mémoire. Bon, j'enlève la virgule, hein. Ça me fait 44 sur 80. Ça va être juste. Oh, elle est si grande que ça. Waouh!
Oui, je ne la voyais pas si grande. Et si je la fais en 16 fils, ouais, 16 fils, c'est déjà mieux. Ce serait 37 sur 65. Voilà, c'est mieux. Donc, je pense que je vais la faire sur un lin 16 fils. Il faut que je regarde si j'en ai encore. Parce que sur les tamines, 80 cm, c'est énorme. C'est énorme. Donc, je pense plutôt que je le ferai sur du lin. Parce qu'il faut penser à l'encadrement après. Parce que moi, j'encadre. Hein. Donc, il faut penser à ça. Donc, je pense que je le ferai en 16 fils. Parce que, ouais. Parce que même si j'aurais le fer en. Non, mon lin 18 fils, de toute façon, ça n'ira pas. J'avais dit, hein, je vais quand même regarder, mais je pense pas. Là. Et si j'ai le nez dessus et puis que je sais pas que ça me fatigue plus, c'est pas la peine. Alors, 209 sur 436. 5 cm de marge. Calculé. Ah non, pas en Haïda. Je suis bête. 18 fils. Voilà. Ah ouais. Ah non, non, non. Si jamais je prenais ma toile de lin que j'ai, mais de toute façon elle est pas blanche, ouais, donc ça n'irait pas. En 18 fils, il faudrait une toile avec les 5 cm de marge de 34 cm sur 59. On va dire qu'il y a 5-6 cm de différence avec le 16 fils. Bon, je verrai. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Puis je vous en reparlerai de toute façon. Ça, c'est sûr. Voilà. Bah, c'est le seul achat que j'ai fait cette semaine. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, voilà. Allez, on va se tourner la roue. Allez, après, je vous dirai ce que j'ai regardé en vidéo. Je vous montrerai un petit truc que j'ai fait. Alors, est-ce que j'ai tout mis là? Alors, les obligatoires, déjà, il y a le Star Dragon. Alors, je veux dire, les obligatoires, c'est mes duos. Le Star Dragon, le Lily Point et le Sampler 124. Ouais, j'ai pas encore eu le temps d'en parler à Elisa et à Armel. Ma confiture est toujours là. Je crois que malheureusement je vais les abandonner dans ce trio. Excusez-moi les filles, mais c'est vrai que j'ai vraiment vraiment de plus en plus de mal avec l'estampé et j'avance pas. Je n'avance pas du tout sur l'estampé. Donc, je crois que bon, la confiture je la finirai, hein, elle est commencée. Mais je crois que je vais en rester là. J'en parlerai avec elle. Ouais, non, l'estampé, j'ai de plus en plus de mal. La preuve, vous voyez, j'ai encore ma Celtique de Noël, mon cerf plutôt. Vous savez, celui qui est tout en orange. Et ben, mon cheval qui est toujours pas fini, mon fameux cheval. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis dessus. Voilà, j'ai de plus en plus, mais alors vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus de mal avec l'estampé. Ça ne me dit vraiment plus rien du tout. Ça me disait de dire pas grand-chose au début, mais ouais, non, ça y est, ma copine la mouche est là. J'ai du mal, donc je force pas, c'est pas la peine. Donc, dans mes obligatoires,
Le Star Dragon, mon Lily Point et le Sampler 124. Normalement, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Allez. On va d'abord tirer au sort le HAED du mercredi. Alors, vous savez que dans ma roue, pour l'instant, non, il y en aura toujours, il n'y en aura jamais plus. Parce que les HAED, ça, par contre, c'est tout, je n'en achète plus, ça ne sert à rien. Vu mon âge. ça ne sert à rien que je rachète d'autres HAED, parce que ceux-là ne seront jamais finis. Dans ce cas, elle ne va pas m'embêter. Hein. Je n'ai pas été embêtée par la mouche depuis tout à l'heure, mais j'ai mon arme. Alors, viens me voir. Je te jure que tu as une fessée à cul tout nu. Je l'entends en plus. Allez. Alors, il y a un HAED dessus, mais qui commence qu'au 1er novembre. Donc, si on tombe dessus, on retournera la roue. Donc, c'est steampunk, paysage, japonaise. Ah bah, ce sera la japonaise. Voilà, super. Hop. Donc, la japonaise. Voilà. Allez. Maintenant... Donc, combien je vais en sortir? Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Mais 10 moins 3, 7. Alors, je vais en tirer au sort 7. Ouais. En sachant que du coup, je ne vais pas tirer au sort ma broderie du lundi. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre d'office la grenouille. Comme ça, elle sera beaucoup plus près de la fin. Donc lundi, ce sera la grenouille. Allez, bon, si jamais elle tombe sur la roue, on annulera, bien sûr. Pourquoi j'ai laissé le sampler et bon, c'est pas grave. Il faut que je remets ma roue à jour. Alice. Voilà. Ah, bah la grenouille. Donc celle-là, elle est déjà prévue. Hop là. Ah, l'aquarium. L'aquarium de Lucas. Ah, j'ai oublié de le retirer. Bon, c'est pas grave. Ah bah. Non, ça va. Ah bah, le Bouddha. Le Bouddha. Voilà. Donc, on va enlever le Bouddha. Autumn Quaker encore. Elle va pas me refaire le même tirage que la semaine dernière, non? Ah, les Floralies de jardin privé. Bien. Alors, je vous explique pourquoi j'ai remis quand même mes HAED dans la roue.
Parce que si je fais un seul achat ED par semaine, du coup, les autres, ils vont rester de côté. Donc, je veux quand même que j'ai des achats ED qui sortent dans la semaine. Mais ceux-là, du coup, ils ne seront faits que faire, par exemple, 250, 300 croix, voilà, comme pour mes autres broderies normales. Donc, je les ai quand même rajoutés pour quand même les avancer aussi. Donc, achat ED, paysage. Voilà. Bon, par contre, là, s'il y en a un troisième qui sort, non. Ma maison météo. Et oui, il faut que je me mette à jour sur ma maison météo. Parce qu'elle est très, très, très en retard, ma maison météo. Ah bah non, il est déjà sorti celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, j'ai mes 7. J'ai mes 7. Bon allez, j'en retire un pour la. En cas où. Au cas où. Ah, le Languedoc Sampler. Ouais, cette semaine, je ne l'ai pas fait, lui. Donc, voilà. Voilà, c'est bon. Allez, hop. Hop. Je remets à jour. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, je vous dis ce que la roue m'a tiré. Alors, dans les obligatoires, donc c'est-à-dire mes duos, je vais avoir le Star Dragon, le Lily Point et le Sampler 124. Dans le HAED du mercredi, il y aura le HAED de la japonaise. Ma broderie du lundi, ce sera encore la grenouille, parce que là, du coup, je suis vraiment très, très avancée. Et maintenant, je voudrais qu'elle soit très, très, très finie. Donc, lundi, ce sera la grenouille. Et pour le reste de la semaine, il y aura mon Alice au Pays des Merveilles, le salle que j'organise sur mon groupe, l'aquarium de Lucas, mon Bouddha de poussière d'étoiles, mon Automne Quaker, les Floralies de jardin privé, mon achat ED du paysage, ma maison météo sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de retard, et pour terminer mon Languedoc Sampler. Si jamais que je vois que j'ai encore un petit peu de temps entre deux, je m'en rajouterai. Mais bon, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ben c'est tout. Là, c'est bon. Mon challenge. Alors, à votre avis, combien j'ai fait de croix cette semaine? Je devais en faire 3000 et j'en ai fait 4485. Hip, 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 hip. Hourra! Ouais, c'est bien. La semaine dernière, je n'avais pas fait beaucoup. La semaine dernière, j'en avais fait 3435. Donc, ce n'était pas tip top. Mais voilà. Donc c'est. J'en ai fait 1000 de plus, pour ainsi dire. Ouais. Ouais, 1050 de plus que la semaine dernière. Voilà. Alors, avant de vous montrer le reste, je vais vous dire ce que j'ai regardé cette semaine en vidéo. Mon YouTube. Alors. Là. Tu
Allez. Hier soir, justement, j'ai regardé le live de About Maïwenn. Voilà. Pour une fois, j'ai réussi à regarder son live en direct. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'est une bêtise. Hop, on retire. Ça aussi. Des fois, je regarde aussi des bêtises. Hein. j'ai regardé le rendez-vous du lundi. Donc, Flosstube. Alors, elle parle de le Flosstube, donc de broderie, diamond painting, lecture, les séries, et les achats, etc. Les loisirs de Caroline et Alice. Donc voilà, j'ai regardé son rendez-vous du lundi, tout simplement. J'aime bien ce qu'elle fait également. Bon, j'ai pu m'apercevoir qu'elle craquait beaucoup aussi. Mais bon. Ensuite, j'ai regardé le blabla point de croix de Lounix et ses loisirs. Alors, le titre, c'est « Je vous en dis plus sur mon métier atypique en avançant cette broderie ». Elle fait justement le Star Dragon dans le Forest, donc comme moi et Letty. Et sa vidéo était vraiment intéressante. Elle parlait de son métier. Elle parlait de son métier. Elle est militaire. Et donc, elle a parlé. On lui avait posé des questions. Donc, elle répondait aux questions qu'on lui avait données. Comment elle était devenue militaire. Tout ça. S'il fallait... Elle expliquait un peu tout. C'était assez intéressant. Voilà. J'ai regardé également le Flosstube, toujours de About Maïwenn. Donc, elle fait son Flosstube le 9, tous les 9 du mois. Donc là, c'était celui de septembre. La rentrée me fait craquer. De toute façon, j'aime bien l'univers à Maïwenn. Hein. Puis elle est beaucoup sur Harry Potter et j'aime beaucoup ça. Malgré que moi, j'en brode pas, mais j'aime beaucoup Harry Potter. Donc, c'est toujours sympa de regarder ses vidéos. J'ai regardé également. Là, c'est une chaîne américaine, mais c'est Ashley Stitching Corner. Pareil, j'aime bien ce qu'elle brode. Voilà, ce sont mais bon, là, je peux pas vous expliquer ce qu'elle dit puisque je ne comprends rien à l'anglais. Mais je crois que c'est une chaîne américaine, hein, peut-être australienne ou anglaise. Bon, elle parle anglais en tout cas. J'ai regardé. Le petit atelier de Kimiline. Alors, c'est moi qui ai fait ça. Donc, elle montre tout ce qu'elle a fait également en septembre. Donc, elle montre ses broderies. À la fin, elle parle aussi un peu de lecture. Bon, là, je décroche un peu quand vous parlez des lectures parce que moi, je ne lis pas. Donc, là, arrivé à à ce moment-là, moi, je décroche un petit peu. Mais sa vidéo était toujours aussi intéressante. J'ai beaucoup regardé cette semaine aussi. J'ai regardé également la vidéo de 1001 points. Donc elle montrait ses avancées de septembre. Et j'aimais bien je trouvais rigolote. Bon, c'est pareil, je ne suis pas très sorcière, tout ça, vous le savez. Mais j'aime bien le modèle qu'elle a imprimé d'une sorcière qui tombe dans le chaudron. C'était assez rigolo, ça. Voilà, mais c'est pareil. J'aime bien son univers. C'est pas mal. Et là, je crois que c'est la dernière. Non, c'est pas encore la dernière.
J'ai regardé également la vidéo Les Créas de Céliane. Donc c'est un floustube, son floustube de septembre. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle présentait et puis sa façon de le présenter également. Je trouvais ça assez sympa. Bah, je crois que j'ai fini. Oui, là j'avais regardé, mais j'ai pas regardé la vidéo en entier. Mais je pense que c'est une vidéo espagnole, une chaîne espagnole. Bon, je vais pas vous lire le titre, mais c'est Avance, Avance grec, Terminados. Donc, si je comprends ce que ces avancées et ces broderies terminées, je pense que c'est ça. Donc, c'était Sarah Issous Obi. Bon, je prononce très certainement très mal, mais bon, là, j'ai pas fini de regarder sa vidéo. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai déjà regardé pas mal de choses. J'ai préparé également pour regarder, donc ça sera sûrement demain, puis ou dans la semaine, la vidéo de Sabine Sabrode, donc brodée pour Octobre Rose. Là, je ne l'ai pas encore regardée, je l'ai mise dans les... à voir, voilà, à regarder plus tard. Et il y en avait une deuxième également, toujours de Sabine. 5 jours de petite croix. Voilà. Et une réception de commande un peu bof. Ah. Bon, on regardera ça. Voilà. Bah voilà pour les vidéos de cette semaine. Tout ce que j'ai regardé, vous aurez pu voir que je vous aurais mis les petites vignettes. Alors, j'y arrive plus. Voilà, je vous aurais mis les vignettes et je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos. Moi, cette semaine, du coup, je vous dis en même temps ce que je vous ai mis en ligne cette semaine. Donc, voilà, ici, je vous ai mis un unboxing avec la boutique On Day Saving. Donc, lundi, je vous ai mis. Je vous ai remis un unboxing également avec Biggest Craft. Et je vous ai mis aussi la vidéo J'encadre avec vous, donc ma broderie des ours de Noël. La vidéo également du magnifique cadeau que j'ai reçu d'une abonnée. Je vous ai fait la présentation de 2 revues de tricot, dont une avec les fils japonais. J'ai commencé avec vous, mais j'ai eu un peu de mal parce que je faisais blabla en même temps. Je vous parlais de mes expériences paranormales. Et donc, parler et broder en même temps, j'ai du mal. J'arrive pas à me concentrer. Donc, c'était mon début d'une mini broderie petite souris plus blabla paranormal. Bien sûr, je vous ai montré les nouveautés de la boutique de poussière d'étoiles. Et c'est ce matin que vous avez dû, ouais, c'est ce matin que vous l'avez eu, ma vidéo Mandala, je colorie avec vous, avec un livre action. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les vidéos que je vous ai mises en ligne cette semaine. Donc si vous ne les avez pas encore vues, ben, n'hésitez pas à les voir, à laisser des commentaires, à mettre des pouces comme d'habitude, faire plein, 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 plein de choses. Nous parlions en dernier de coloriage. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai terminé mon coloriage, le premier, enfin le premier, celui que je vous avais montré avant. Il est terminé. Hop. Le voici. Donc, finito, contento. Non, terminé, j'aime bien. Alors, le fond, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Le fond, je l'ai fait en pastel, avec un coton, les bâtons de pastel, et je fais mes fonds comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, vous voyez.
Donc j'ai bien aimé le faire. Puis je suis contente qu'il ait fini, qu'il soit fini. Voilà aussi. Hop. Du coup, j'en ai commencé un autre. Ben, c'est celui que vous avez vu en vidéo donc ce matin, si vous avez regardé. Alors là, je le f... alors le premier, celui-ci, je l'avais fait avec mes crayons de couleur Prismacolor et un petit peu de feutre, voilà. Celui-ci, je le fais au feutre aquarellable de chez Action. Pourquoi je fais avec cela? Parce que, regardez, rien ne traverse avec cela. C'est le pied. Et avec les... Alors, je vous montre où est-ce que je l'avais fait. J'en avais fait un autre, hein, je vous l'avais dit. Voyez où? Je l'ai perdu. Ah, il est là. Attendez, j'ai enlevé la feuille. Le tout premier, je vous le remontre. Hop, voilà. Feutre à alcool de chez Action. Ça traverse. Et du coup, là, là, ça traverse pas avec les aquarellables. Par contre, j'ai moins de couleurs. J'ai pas toute la gamme, donc bon. Mais c'est pas grave. Alors voilà où j'en suis pour le moment. Voilà. Alors, je vous explique le milieu. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'ai commencé une couleur. J'ai fait une première couleur, là surtout autour et là au milieu. Et en fin de compte, ça m'a pas plu du tout. Mais comme c'est du feutre, je pouvais pas revenir en arrière. Donc, je l'ai fait en noir. Voilà. Mais il y aura d'autres touches de noir dans le dessin, hein, pour pas que ça fasse une grosse tache noire en plein milieu. Il y aura des autres touches de noir. Et du coup, il y avait un losange dans le losange. Mais j'ai mis du noir sur les deux. Je trouvais ça mieux. Voilà. Donc, voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, j'avais dit à Chouchou, choisis-moi un coloriage dans le livre. Et il avait choisi celui-là. Voilà. Donc, alors, je ne dis pas que je vais... Peut-être que je vais quand même utiliser des feutres à alcool, hein, pour s'il y a des couleurs que je n'ai pas ou quoi, je verrai bien. Mais c'est vrai que les aquarellables, c'est top parce que ben, ça ne traverse pas le papier. On est vraiment tranquille. Mais voilà, donc j'ai fini un coloriage, je l'avais terminé lundi, non dimanche le coloriage, et celui que je viens de vous montrer, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier pendant que je regardais le live de Mayouen. Allez, je range ça et je vous montre au niveau tricot. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, au niveau tricot, mais je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, et je vous regarde si j'ai encore des petites choses à vous dire en plus. Allez, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, niveau tricot, d'abord je vais vous parler niveau crochet. J'avais commencé un nouveau châle. Avec la laine vous savez, les petits cakes de chez Action. Et ce que j'ai fait, ça m'a pas plu, donc je l'ai démonté, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais je vais chercher un autre modèle, parce que celui que j'avais choisi, ça ne m'a pas plu. Donc je l'ai démonté, bon, je n'avais pas fait grand-chose, j'avais fait ouais, un bon 10 cm, et ça ne me plaisait pas. J'ai voulu prendre un crochet. Alors, ce fil est proposé en 1,75 ou 2. J'ai pris du 2,5. Donc, peut-être que j'ai pris un crochet trop gros. Je ne sais pas. Donc, je vais réessayer un autre modèle. J'en ai trouvé un autre. Je verrai bien. Mais je vous montrerai dès que j'aurai recommencé. Alors, niveau tricot. Je n'ai travaillé que sur deux tricots. Alors, je vous explique pourquoi. Hop, 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 bien là, toi.
En ce moment, je ne travaille pas sur mon pull Armel. C'est quoi ça? Je travaille pas sur mon pull Armel parce que déjà il fait froid. Et comme c'est un pull qui est assez léger et puis qui va être à petite manche, je ne le mettrai pas pour l'instant. Donc il y a moins d'urgence à ce que je le termine tout de suite. Y a plus, enfin, y a plus grand-chose à faire. Là, je suis arrivée à hauteur du col en pointe. Donc il me faut que je fasse les deux côtés. Le devant et le dos sera terminé, et il me restera les deux petites manches à faire. Donc il n'y a plus grand chose à faire dessus, mais là je prends un peu plus mon temps du coup pour le faire, parce que je ne le mettrai pas, du coup je ne le mettrai plus avant l'année prochaine celui-là. Donc j'ai avancé mes manches pour mon pull avec le plastron à trou-trou, donc le pull fil d'art. Voilà, extrait du livre. Ici. Hop. Tricot pour les rondes. Cette circonstance. Donc là, je suis aux manches. Donc bah, ça se termine, hein, celui-là. Et celui-là, bah, je vais pouvoir le mettre cet hiver, hein, de toute façon, cet automne et cet hiver. Donc je sais pas encore combien de temps il va me falloir pour le terminer. Mais là, bon, voilà. Voilà où j'en suis sur les manches. Donc, je fais les deux manches en même temps, comme vous pouvez voir. Comme je vous avais déjà expliqué, comme ça, il y a le même nombre de rangs sur les deux, j'en oublie pas. Et les augmentations sont bien faites au même endroit, de chaque côté, sur chaque manche. Donc, voilà. J'ai fait... Alors, là, il est où ma... Ah, il est là. Voilà ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai pas compté. Par contre, je vais vous dire ça tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 rangs de fait. Voilà. Je suis arrivée à la troisième augmentation. Donc, c'est des augmentations qui se font tous les 20 rangs. Et après, donc j'en ai. Là, je suis arrivée à la troisième. J'en ai encore une à faire. Et après, j'aurai encore deux augmentations, mais tous les 18, 18 et 18 rangs. Voilà. Et après, je crois qu'il restera encore des rangs, bien sûr, à faire, et il y aura des diminutions là par contre pour l'épaule. Après les côtes, pour commencer à former l'arrondi, c'est à 42 cm. Voilà, donc on va dire que moi je suis au milieu là, je dois être à peu près ici. Voilà, je peux être à peu près là, je pense. Donc, j'en ai encore autant à faire. Et après, j'aurai l'épaule donc à faire pour finir les manches. Donc, ça avance bien. Puis après, il y aura le montage, bien sûr. Donc, ça avance bien. Et bah, je suis contente. Voilà. Bon, là, c'est de la mare de Jersey, hein. C'est un océan. Hein. Ouh, il n'y a que du Jersey, Jersey, Jersey. Là, il n'y a aucun motif ni rien sur les manches. Mais voilà. Mais ça va. J'aime bien. Et puis, je pense qu'il va être bien chaud en plus. J'ai tricoté des cheveux en même temps. Ah, quand on perd les cheveux sur le tricot, la broderie, c'est terrible. Hein. Donc voilà. Voilà où j'en suis sur celui-là. Alors, je pense... Je ne sais pas si je pense que je vais peut-être le bloquer un petit peu par rapport au plastron, mais pas trop, pour pas que non plus ce soit déjaugé, que ce soit trop tiré. Parce que bah, de toute façon, c'est une laine. Alors, que je vous montre. Voilà, c'est de la laine pingouin. C'est un pull fil d'art, mais je tricote avec du pingouin.
Mais c'est de l'acrylique, hein, 100%. Ouais, c'est du 100% acrylique. Donc, l'acrylique, il n'y a pas besoin normalement de le bloquer. Mais je le bloquerai un tout petit peu, mais surtout à cause du plastron. Voilà. Donc, ça avance. Mais ça avance bien. Hein. Ça va tout seul à avancer. Il n'y a pas de. Là, il n'y a aucun souci de particulier pour faire les manches. Voilà. Alors, attendez que je range ça. Bon, j'ai quand même hâte de le finir. Quand j'aurai terminé celui-là, je vais me consacrer à celui que je vous montre maintenant. Ah, mince, je vais remettre mon livre. Pour le terminer. Enfin, le terminer. Non, je suis encore sur le dos. Donc, mais pour l'avancer un grand maximum. Et comme je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, je pense que niveau tricot, bon, quand je vais être à jour là, sans compter le pull Armel, je pense que je ferai un pull à la fois. Parce que je trouve que ben, en faisant plusieurs tricots, c'est pas comme la broderie, je trouve. En faisant plusieurs pulls en même temps, ben, on n'avance pas, déjà d'une. Voilà, il faut que je mette à jour, en sachant que moi, en haut, j'ai deux pulls aussi qui sont en stand-by depuis un bon moment. Un, parce que je suis coincée au niveau du plastron. Parce qu'il faudra que je vous en reparle. Je sais que certains. Qui c'est qui m'avait aidé pour le plastron à trou-trou? Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Bon, elle se reconnaîtra. C'est grâce à elle que j'ai réussi à faire mon plastron. Je vous referai une vidéo sur celui-là de pull pour que vous puissiez m'aider. Parce que bah, c'est un pull d'hiver, Bergère de France. Et je voudrais quand même le finir. Donc, je suis sur le devant et je suis coincée sur le devant. Il y a des augmentations à faire, mais là où il faut les faire, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Donc, je viendrai vous en reparler ou je vous ferai peut-être une vidéo à part pour bien vous le montrer, puis vous expliquer là où je coince, puisque et puis vous dire ce que le patron me dit de faire, mais là je suis complètement coincée sur celui-là et ça m'embête vraiment. Parce qu'en plus, bah, c'est de la laine bergère de France, c'est quand même un joli pull. C'est un pull camionneur. Donc il faudrait quand même que je le termine. Et ensuite, j'ai un pull cache-cœur que je vous avais expliqué. J'avais l'impression, enfin, j'ai toujours l'impression, il faut que je recalcule également. J'ai l'impression que mon nombre de mailles arrivé ici en haut, il est pas bon. Alors, à moins que je triche un petit peu et puis finir. Parce que c'est comme ça. Alors, c'est un pull cache-cœur. Il n'est pas ouvert avec une ceinture ni rien. C'est vraiment, il est cousu. Comment je vous explique ça? Je vous l'avais montré hein, déjà, mais ça fait un moment. Donc, j'ai monté les côtes. Hop, les côtes, c'est fait. Et j'ai monté donc sur ces côtes le premier côté cache-cœur, voilà, qui s'arrête. Donc, ça fait ça et jusqu'à l'autre côté, voilà. Mais le côté qui est là, ou alors c'est dans l'autre sens, mais enfin, bon, c'est pas très grave. Lui, je vais le démarrer de l'intérieur du pull en prenant les mailles tout en haut des côtes. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Voilà. Mais là, j'ai fini le premier côté, à part un ou deux rangs, je crois. Mais j'ai l'impression que j'ai trop de mailles. On dira, ça sera peut-être moins ouvert. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faudra que je tombe pareil de l'autre côté. Mais ce côté-là, il va se tricoter. Il faut que je relève les mailles. Donc, de l'intérieur du pull, mais vous avez les côtes. J'arrive pas à m'expliquer. Vous avez les côtes. Là, c'est l'intérieur du pull, si vous voulez. Et donc, il va falloir que je vais chercher mes mailles sur mes côtes
pour monter donc le deuxième côté du cache-cœur, du pull cache-cœur. Et après faire les manches. Mais ça, les manches, ça va tout seul. Donc j'ai ces deux pulls-là, je voudrais les finir. Mais en sachant que vous l'avez déjà vu lors de mes précédentes vidéos, j'ai d'autres pulls à faire. J'en ai d'autres. Alors, celui-ci, c'est un bergère de France. Voilà. Il s'appelle le pull dufteux court, je crois. Enfin bon, c'est le pull dufteux. Sauf que moi, je ne le fais pas court, hein, vous le savez. Je l'ai rallongé de 14 cm parce qu'il était vraiment court. Hein. C'est très court. Donc voilà. Voilà, j'en suis. Là, c'est le dos. Et donc, l'emmanchure, elle est là. Voilà. Vous voyez, l'emmanchure est là. Et donc, voilà ce qu'il y a de fait après l'emmanchure. Là, il n'y a aucune diminution, aucune augmentation. C'est tout droit. Je crois même que les manches... Je ne sais plus si les manches... Non, les manches, ça va. Ben alors, tu as eu peur, tu as fait un rêve. Ou tu as fait un cauchemar. Fais dodo. Fais dodo, mon pépère. Fais dodo. Tiens, il y a maman, elle est là. Fais dodo. Elle fait un cauchemar. Fais dodo, mon bébé. Voilà, il y a la mouche qui a été l'embêter. Du coup, je ne sais pas si elle ne va pas me demander pour... Non, ça. Fais dodo. C'est bien, mon pépère. Ouais, fais dodo. Ben là, fais dodo. Excusez-moi, petit problème technique avec Poilu. j'ai dit, c'est Bergère de France. Voilà, ici. Alors, tic. Il est où? Ah, il est là. Alors, ils appellent ça aussi le pull flocon. C'est le pull court dufteux. Voilà, ou pull flocon. Alors, vous voyez comment il est court. Il est super court. Mais j'aimais bien sa forme parce qu'elle est toute simple. Elle est... Alors. Voilà. Au niveau du patron, vous voyez, le devant et le dos, c'est tout droit, hein, à part le... ici, le col. Et les manches, elles seront en trapèze. Voilà. Donc, pareil, il n'y aura que des augmentations. L'emmanchure, elle termine droite. Donc, aucune difficulté pour celui-là. Vraiment, passons au niveau difficulté. Ils mettent 2B sur 6. Donc, c'est vraiment le pull super simple à faire. Donc, voilà où j'en suis sur celui-là. Et là, j'ai fait... Alors, attendez, j'en ai fait un peu moins de... J'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bah, 10. J'ai fait 10 rangs. Voilà. J'ai fait 10 rangs. J'aime bien la couleur. Elle est chouette. Et il est vraiment poilu, vous voyez. On voit... Bon, c'est le genre de pull que je ne pourrais pas laver à la machine, je pense. Ah mince, j'ai enlevé l'étiquette. Bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est le genre de pull qui vaudra mieux que je le lave à la main. Pour quand je serai pour le laver. Parce que après, j'ai peur qu'il s'abîme. Parce que vous voyez, il est quand même assez. Comment ? Il n'est pas déjaugé, mais on voit un petit peu à travers. Et voilà. Mais je l'aime beaucoup. Puis de toute façon, il ne faut pas que je lave la machine. Sinon, le truc poilu, il va se feutrer. Et ce sera pas. Il va devenir moche. Voilà. Donc là, je suis au dos. Le dos est bientôt terminé, on va dire. Je suis à 120 rangs et il m'en faut 148.
Voilà, il m'en faut 148. Et après, j'attaque les épaules. Voilà. Jusqu'à partir de l'épaule, il me faut 148 rangs. Donc là, il me reste 28 rangs à faire. Et après, j'attaque les épaules. Et les épaules, il doit pas y avoir beaucoup de rangs. Ah ouais, mais oui, mais là, il n'y a pas mon augmentation. Je ne vais pas vous le dire là comme ça. Parce que là. Ouais, non, je ne vais pas vous le dire comme ça. Là, de toute façon. Bah si, attendez. Si je peux vous le dire. 148 moins 120. Bah oui, il me reste 28 rangs à faire. Ouais, c'est ça. Il me reste 28 rangs. Et après. Ah, il ne me parle plus en rang après. Deux fois 15 mailles, une fois 16 mailles, donc ça me fait 3, 6. Oui, après il restera 6 rangs à faire. Donc ça va aller assez vite pour terminer le dos. Ouais, 28 plus 6. Faites le calcul, moi j'ai. Je peux plus. 2934, hein, c'est ça? Ouais, je crois que ça doit être ça. Donc, non, pas 134. Qu'est-ce que je raconte? 34. Ouais, il me reste 34 rangs à faire pour terminer le dos. Voilà. C'est ça, quand on retravaille un peu un patron, après on se mélange un petit peu. Je suis à combien de rangs? Je suis toujours avec mes calculs, je suis toujours avec mon compteur digital pour pas oublier mes rangs et tout. Donc voilà. Et puis après, je voudrais bien commencer celui-là en. Ah, la lumière, elle est trop. Allez, voilà. Mérinos lin. Oui. J'ai un pull. Pareil, c'est un pull tout simple. Hein. Col rond, des manches, des. Voilà. Mais je voudrais terminer les deux autres. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Ah, si, le cache-cœur, il est là. Il est sur le livre tricot pour les grosses, pour les rondes. Alors, le cache-cœur. Le cache-cœur. Alors, en plus, le cache-cœur, il ne faudrait pas que je tombe en panne de fil. Parce que c'est un fil qui n'existe plus. Alors, vous voyez, voilà. Donc, moi, cette partie-là, hop, elle est faite. Et je vous dis, à part que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de mailles ici en haut, mais vous voyez comment c'est large. Donc, c'est pas grave encore, je trouve. Et donc, après, il me restera cette partie-là à tricoter, mais elle commence. Ici en haut des côtes, donc faut que je monte les mailles ici, mais de l'intérieur, comme vous voyez, le morceau est à l'intérieur, et après, voilà. Donc, ça, c'est le pull cache-cœur. Bon, c'est pas non plus un pull vraiment d'hiver, mais c'est pas grave. Et le pull camionneur, je vous l'avais déjà montré également. J'ai des poils partout, moi. Non, pourquoi tu fermes ta page, Edith? Faut pas fermer ta page. Ah, le camionneur, ici. Est-ce que c'est bien Solwenn? Voilà. Et c'est celui-là. Hop, le voilà. Et du coup, je bloque. Mais bon, je vous ferai une vidéo à part pour que vous puissiez m'aider. Parce que là, je bloque.
Et alors celui-là, il est fait en jersey en verre. C'est pas le genre de maille que je préfère, mais bon. Voilà. Donc. Et là, j'avais dit, c'est quoi? Celui en mérinos lin. Est-ce que je l'ai là pour vous le montrer? Je sais pas. Faut que je remets des titres spécifiques à mes. Parce que des fois, il y a des titres, mais c'est que des numéros. Non. C'est pas celui-là. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai pas là. Mince. Pourquoi je l'ai pas? Pourtant, je l'avais enregistré. Là. Faut que je change tous les titres. C'est quand je... Ah, le voilà. Hop. Avec le mérinos lin que je viens de vous montrer, c'est pour faire ce pull. Vous voyez, il est super simple. Pareil, hein, c'est une marque de jersey, mais bon. Il est chouette. Et là, j'ai pris la laine dans la même couleur. Voilà, et là, c'est... Et ça va, il va aller vite quand même parce que c'est les aiguilles 3,5 et 4. Voilà. Mais après, j'en ai encore d'autres. Hein. Je vous avais montré tout ça. Il faudrait que je vous fasse une récap de... des pulls qui sont en prévision. Mais du coup, c'est pour ça, je vous dis, au lieu de commencer plusieurs pulls, je vais en. Dès que je suis à jour là dans mes pulls, après je ferai un pull à la fois. Ouais, parce que sinon ça va pas au niveau des pulls, d'en avoir plusieurs. Parce que je suis obligée de tout noter quand il y a une augmentation. Là je l'ai fait. Bon, je reprends le pull une semaine après. Est-ce que j'ai fait mon augmentation, ma diminution? Est-ce que j'ai. Des fois je cherche et je suis complètement perdue. Donc je vais faire. Je me mets à jour. Je termine mes deux pulls là avant. Bon, le cache-cœur, c'est pareil, c'est pas une grosse urgence parce que vous avez vu, c'est pas un pull d'hiver. Je vais voir avec vous pour le pull camionneur parce que ça m'embête vraiment, vraiment qu'il soit là à attendre dans un sac. Et après, je ferai mes pulls, mais un à la fois. Voilà. Ben je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a tout dit. Donc là, la semaine prochaine, le 20, mais je vais faire une vidéo explicative de tout endroit. Il y a un nouveau salle qui commence que j'organise pour poussière d'étoiles. Voilà, donc c'était avec la box d'octobre. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ce salle et que vous avez envie de le faire, je vous remets le lien de comment du groupe. Parce que celui-là, on ne le fait pas directement sur mon groupe à moi. On a ouvert un groupe spécifique pour le salle. Voilà. Et donc, je vais tout vous expliquer dans la semaine comment ça va se passer. Et voilà. Donc, si vous voulez finir faire le sale, ben, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Bon, ben, écoutez, ça y est, j'ai dépassé les 2 heures. J'étais grande pipelette aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, à chaque fois je le dis, mais si vous avez une envie de vidéo ou quoi, ou si vous avez besoin que je vous montre quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et je fais tout mon possible pour le faire. Je ne dis pas que dès que je vois votre commentaire, je fais tout de suite la vidéo, mais au moins je me la note et j'essaie de la faire quand même au mieux, le plus rapidement possible.
Si vous avez des questions, c'est pareil. Là, je voulais m'excuser aussi. Je suis un peu en retard dans les réponses de commentaires. Je vais me mettre à jour là, d'ici dans les 2-3 jours. Là, pendant les 2-3 jours qui vont suivre, je vais me mettre à jour pour vous répondre à tous. Bien sûr, vous pouvez voir, c'est des réponses un peu basiques, un peu la même à tout le monde. Mais quand vous posez une question, j'essaye d'y répondre au mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Même si je suis en retard dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Des petits pouces, hein, parce que les pouces font connaître la chaîne. Hein, ça permet à la chaîne de remonter dans le moteur de recherche de YouTube. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous.